Bizarre. Oh, bonjour Bitouki. On pourrait en faire une pièce de théâtre? Bien sûr, mais d'ailleurs, ça s'est déjà fait. Ah ouais? Oh, ben alors là, j'étais pas au courant. Ah, mais en ce cas, la bobinette. Oh, regarde qui est là! Oh! En effet. Bonjour, les amis. Et bonjour, les bambinis et les bambinettes. Et bonjour, mes tout petits. Et voilà. On était en train de parler d'une belle histoire qu'on a vue une fois à la télévision. Si. Ben oui, en fait, il s'agit de l'histoire de Maria Chapdelaine. Ah, si, c'est une histoire qui s'est déroulée ici même au Québec, hein, mais il y a très longtemps. Oui. En fait, il s'agit d'un roman qui a été écrit d'abord par M. Louis Aymon. Ah oui. Eh oui. Et les gens l'ont trouvé tellement belle, cette histoire, qu'ils en ont fait un film et puis après une pièce de théâtre. Ainsi que nous-mêmes, on a l'intention de le faire. Ben je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Figurez-vous qu'aujourd'hui, à l'école, mon ami Bigoudine... Bobinette, notre ami Bigoudine, hein? Oui, c'est ça. Ben oui, je la connais. Notre ami Bigoudine nous a dit qu'elle n'avait pas vu le film quand il est passé à la télé. Alors comme il est tout à fait normal qu'elle connaisse une histoire qui fait partie de notre tradition, là, ben on a décidé de la lui présenter en pièce de théâtre. En compagnie de mon cher grand frère ici présent. Voilà. Ah, parce que je fais aussi partie de la distribution. Ah si, on y compte bien, seigneur. Moi, je serai Maria Chapdelaine. Et puis toi, tu tiendras... Ah oui, toi, tu tiendras le rôle de mon père, bien sûr. Mais quant à moi, je me mettrai en quatre. Non, ou plutôt en trois. Oui, pour tenir les trois rôles des jeunes gens. Hein. Ah, les trois rôles? Ah, si. Eh oui, tu sais, les jeunes gens, les trois jeunes gens qui voulaient se marier avec Maria Chapdelaine. Ben, oui, si, oui. Hein. Il y en avait un tout d'abord qui s'appelait François Paradis, hein, et il était bûcheron. Oui. Il y en a un, les amis, qui s'appelait Lorenzo Surprenant, qui arrivait des États-Unis. Oui, et le troisième, il s'appelait Eutrope Gagnon. Hein. Il faisait de la culture pas très loin de chez Maria Chapdelaine. S'il doit tenir les trois rôles, j'ai hâte de voir ça. Ben, tu vas le voir. Mais si. Et surtout, vous allez me voir dans ma grande scène, seigneur. En tant que François Paradis, je vais m'élancer dans la neige et la tempête pour aller rejoindre celle que j'aime. Avec le résultat que je vais m'écrouler pour mourir de froid. Écoute, là, on n'en dit pas plus, hein. Oui, oui. Non, on peut oublier ça. Ce passage tellement terrible. Oui, 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 on peut oublier ça. Oui, justement, pour aller préparer tout ce qu'il faut dans son théâtre, hein. Oui. Oh, même que si c'est pas trop te demander, mon grand frère Benoît, tu vas lui donner un petit coup de nez pendant que moi-même, je vais donner un petit coup de fil à Bigoudine, hein, pour lui rappeler qu'il faut pas qu'elle oublie de nous regarder à la télé. Ben, s'il y a que ça pour te faire plaisir, Bobinette, ce sera fait. Vous nous excusez, mais tout petit, allez, Giovanni, tu viens? C'est, ben, qui va bien, quand j'y vais, hein. Bon, alors, seigneur, vous avez bien compris votre rôle, hein? Ah, j'ai très bien compris. Et d'ailleurs, pour me mettre dans la peau du personnage, je vais tout de suite mettre son chapeau. Ah, bon, d'accord. Bon, voilà, comme ça. À présent... Ça, ça va? Ah, oui, c'est bien. Tu peux le montrer aux amis? Ah, c'est bien, voilà. C'est parfait. Bon. Alors, à présent que c'est fait, à l'attention de Bigoudine qui est à l'écoute, on va vous interpréter à notre façon. Ah oui, mais elle a bien dit à notre façon. Oui, la célèbre histoire de Maria Chapdelaine. Ouais, le temps que j'allume les ampoules, là, je l'ai fait. Oui, c'est ça. J'ouvre les rideaux, pardon. Oui. Sur le décor qui représente... La maison qu'habite Maria Chapdelaine. Et voilà. Voilà. Ouais. Alors, au début... Non, la bobinette, c'est pas la peine de préciser. Au début, comme d'habitude, je suis pas là, alors je file dans la coulisse, et voilà. Hein. Bon. Moi, en tant que Maria Chapdelaine, je suis en train de laver la vaisselle pendant que mon père l'essuie. Ah bon, c'est ça. Alors, attends une petite seconde, là, je vais prendre une petite assiette comme ça. Alors, moi, j'essuie la vaisselle tout en chantant une vieille chanson de folklore. Ça va? Comme Oui, parce que le père de Maria Chapdelaine aimait beaucoup chanter. C'est ça. Mon revenant de la jolie Rochelle, mon revenant de la jolie Rochelle. Je dire plus, papa. J'ai pas le temps. Parce que c'est ici qu'arrive François Paradis, le premier des trois jeunes gens qui voudraient se marier avec moi. Bon. Ah, bonjour, monsieur Chapdelaine. Bonjour, François. Oh, Maria, est-ce que tu veux m'épouser? Ben, c'est-à-dire que
Bah, oublie pas que je m'appelle Paradis et que je serai donc pour toi un véritable petit paradis. Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est drôle, tu avais. Dans le fond, je t'aime beaucoup. Alors là, on se regarde tous les deux avec tendresse. Ah bon? Tout en poussant des gros soupirs. Ah oui, allons-y. Ah. Maria. Oui, je comprends, mais qu'est-ce que je fais moi pendant ce temps-là? Ben, tu continues de suivre la vaisselle en reprenant ta chanson. Mais ah bon. Mon revenant de la jolie Rochelle. Mon revenant de la jolie Rochelle. Mais aussitôt tu arrêtes. Oui, parce que moi je lui dis, ma chère Maria, il faut que je te quitte. Je vais partir travailler très loin d'ici, dans la forêt, comme bûcheron. Je reviendrai au printemps prochain. Et à ce moment-là, si tu es d'accord pour m'épouser, on se mariera. Au revoir, Maria. Au revoir, Monsieur Chapdelaine. Au revoir, François. Au revoir, François. Bon. Alors là, je suis toute triste. Ah, t'es toute triste? Pendant que je me remets à la vaisselle, toi, pour essayer de me consoler, eh bien... Je te chante ma chanson. Justement. Bon, très bien, donc. J'espère que je vais pouvoir la chanter au complet cette fois, mes tout petits. Mon revenant de la jolie Rochelle. Mon revenant de la jolie Rochelle. T'es obligé de t'arrêter. Déjà? Ben oui, parce que là, c'est Lorenzo Surprenant qui va faire son entrée. Ah, c'est le deuxième prétendant qui arrive. C'est ça. Là aussi, c'est Giovanni qui tient le rôle. Ouais, la preuve, c'est que me voici en tant que Lorenzo. Oh, surprenant, hein? D'accord. Rum-tum. Hello, Mr. Chapdelaine. Hello. Hello, Maria. Oui. Ne sois pas surprise si je te surprends, te surprenant, mais mon nom, c'est précisément Lorenzo Surprenant. J'arrive des États-Unis, où j'habite, et je suis venu voir si tu veux m'épouser pour sortir de ta vie pénible et pour connaître les grandes joies de la ville. Et patati, et patata, non, et patati, non, et patata. Non, Lorenzo. Ah non? Je t'aime bien, mais j'aime encore plus François Paradis. Bon, comme que tu voudras, je repars, mais je reviendrai pour voir si tu as changé d'avis. Bon, alors toi, tu reprends ta chanson, hein? Ah ben, j'espère bien que je vais pouvoir en chanter un petit bout quand même cette fois. C'est ça, papa. Oui. Cette fois, en allant au moins jusqu'à la fin du premier couplet. Ben, j'espère bien, bon. Mon revenant de la jolie Rochelle. Mon revenant de la jolie Rochelle. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe encore? Tu es obligé d'arrêter. J'ai oublié d'arrêter? Oui. Mais pourquoi c'est parce que ce coup-ci, j'arrive en tant que trompe gagnon, le troisième prétendant. Hein? C'est vrai, ça y a trois prétendants, mais tout cas, oui. Il n'y en a pas pour longtemps, tu vas voir. Ben, non, j'espère bien. Juste le temps de te dire, Maria, que j'aimerais t'épouser moi aussi. Oh. Et que si François Paradis ne revient pas le printemps prochain, c'est moi qui reviens. Pour faire de toi l'épouse de ton voisin, le cultivateur que je suis. Au revoir, Maria. Au revoir. Tu vois, il l'a fait vite, hein? Ah, ça, il a fait ça assez vite, quand même. Bon, alors tu reprends ta chanson? Bon, très bien. Mon revenant de la jolie Rochelle. Mon revenant de la jolie Rochelle. Non, vous pouvez plus chanter, seigneur. Tu veux plus chanter? Non, c'est vrai. Mais je pensais me rendre au moins à la fin du couplet. Non, non. Le premier acte est fini. Ben, si. Ferme tout de suite les rideaux. Bon, voilà. Pour changer le décor, hein? Ouais. Pour le deuxième acte. C'est. Viens, bon. Giovanni. C'est, vengo, hein, la bobinette. Bon, tu es prêt pour ta grande scène, Giovanni? Ah, c'est la bobinette, je suis prêt, hein? Bon, alors, les amis, pour reprendre notre histoire de Maria Chapdelaine, on est rendu au soir du jour de l'an. Eh bien, moi, ça me fait bien plaisir parce que le soir du jour de l'an, on chante des chansons. Ben oui, alors tu vas pouvoir chanter. Alors, vas-y, on t'écoute. Bon, parfait. Mon revenant de la jolie Rochelle. Mon revenant de la... Un instant? Bon, enfin, comment ça se fait, ça, Bobinette? Mais tu m'arrêtes tout le temps. Ah, au contraire, là, c'est pour t'inciter encore plus à chanter parce qu'en tant que Maria Chapdelaine, je te dis comme ça. Oh, papa... Si vous saviez comme je m'ennuie de mon fiancé, François Paradis, qui est si loin dans la forêt en train de couper des arbres. Alors, pour me faire oublier ma tristesse, tu chantes. Je chante, mais j'étais déjà en train de chanter. Bon, je chante alors. Mon revenant de la jolie Rochelle. Arrête. Déjà? Mais t'as plus le temps de chanter parce qu'on arrive à la grande scène où on va voir François Paradis partir à travers la neige et la tempête, les amis, pour essayer de venir me rejoindre. Oui, d'accord. Ça, c'est une très belle scène, ça. Ah oui. Oh. Rideau? Oui. On voit qu'il est dans la forêt, mes tout petits. Oh non, je m'ennuie trop de Maria Chapdelaine. Oh non, tant pis pour le froid, tant pis pour la neige qui encombre tous les chemins. Je dépose ma hache et je pars pour la rejoindre.
Alors une part. Quand la tempête s'élève tout à coup, vas-y, tapageur, fais entendre la tempête. Oh, la tempête. C'est là, les amis, que malheureusement, à bout de force, il va dégringoler dans la neige pour mourir de froid loin de celle qu'il aime. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'un seul coup, il me vient une idée. Et moi, je change de direction. Hein. Ah, tu changes de direction? Mais si, c'est pour me diriger cette fois vers le sud. Hein. Et vers le soleil, alors. Si bien qu'il y a de moins en moins de neige et que j'arrive finalement dans un endroit où il n'y en a plus du tout de la neige. Hein. Mais c'est pas l'histoire, ça. Non, là, tu changes toute l'histoire. Ah, oui, mais c'est fait exprès, ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je me suis dit que si je réussissais à rejoindre la Maria Chapdelaine, voyons, pardon, Maria Chapdelaine, vu que c'est Bobinette qui tient le rôle ici présente, là, elle prendrait peut-être l'histoire au sérieux, signor. Et puis moi, je ne tiens pas du tout à me marier avec elle hein, pour finir mes jours avec une coccinelle de son espèce, là. Espèce de giovanite. Mais comment, la Bobinette? Tu te lances pas à ma poursuite, là? Non, justement. Hein? Parce que j'avais prévu que tu me ferais certainement un coup de ce genre. Alors regarde un peu ce que j'avais préparé d'avance. Mais qu'est-ce que j'avais préparé? Regarde. Qu'est-ce que c'est que cette feuille, là, la Bobinette? Tiens. C'est quoi ça? Tu peux lire, mon grand frère. Je peux lire ça? Écoute-toi. Attends une petite seconde. Là, c'est pour toi, ça, Giovanni. Bon, oui, pour le cas où Giovanni prendrait un de ses trois rôles au sérieux, je tiens à lui dire que je ne veux pas me marier avec une espèce de sabot de son espèce. Maintenant, de retour de Pisa de lire. Elle avait pris les devants. Ah oui, si. Oh, ben, ça, par exemple. Bon, ben, alors là, maintenant, je vais quitte, peut-être hein? pouvoir chanter ma chanson. Alors, on va voir la suite. Mon revenant de la... Non, c'est bien, parce qu'on a oublié de leur dire quelque chose aux amis. Hein. Quoi donc? Mais oui, c'est qu'à la fin, Maria Chapdelaine, elle a épousé un trope gagnant. Bien sûr. C'est le trope gagnant qui va m'aider à vous rappeler qu'on regarde des dessins. Ah, c'est ça. Beaux dessins. Un endroit où vous vous sentez bien. Oui, c'est ce qu'on vous avait demandé de dessiner. Vous avez fait des beaux dessins, les amis. T'as vu, Adjoint? Ici, ils sont très beaux. Très, très beaux. Ici, on a un dessin de Sophie Lavoie, qui a 3 ans et demi de la rue de Saint-Vallier à Montréal. Ouais. Et elle se sent bien dans son bain. Ah, c'est vrai que c'est agréable. C'est vrai qu'on se sent bien dans son bain. Ouais, c'est tout. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. Oui. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Et puis, on a un dessin de Dominique Milot de la rue Guy, qui a 5 ans, à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. C'est tout près de Moncton. Alors, Dominique Milot nous dit « Dans un chou avec ma poupée Bouchou ». Ben, t'es chanceuse, t'as C'est là qu'elle se sent bien. Ah, c'est très amusant. Dans un chou avec sa poupée Bouchou. Ici, on a Sophie Dufour, qui a 3 ans, de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. Alors, elle se sent bien dans une pomme. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est comment elle fait pour rentrer dans la pomme. Bah, avec son échelle, regardez, Seigneur, l'échelle, elle est là. Bah, tu as raison, j'avais pas vu. Elle monte tout simplement l'échelle, et c'est tout. Et elle entre dans la pomme. Voilà. Il fallait y penser. Ici, on a un dessin de Geneviève Turgeon, qui a 4 ans, du 7e rang de Wickham. Et elle dit, je me sens bien chez Bobino et Bobinette. Ben, voilà. Elle doit bien se sentir maintenant. Alors, elle est déjà venue. Et on lui envoie une belle bise. Oui. Mouah. Oh oui. Voilà. C'est gentil. Geneviève Turgeon, qui a 4 ans de Wickham. Ici, on a Maryse Gagné, qui a 4 ans, de Duvernay. Et elle se sent bien à la ronde. Voilà. Ah, c'est dans le grand manège, là. Voilà, le grand manège. C'est ça, c'est le grand manège de la ronde. Mais tu n'as pas peur, Maryse? La grande roue. Tu n'as jamais peur à la ronde, Maryse? Non, probablement pas, puisqu'elle s'y sent bien. On ira tous les deux, tu vas voir. D'accord. Tu n'auras pas peur avec toi. Et mon grand frère, peut-être, avec ta pageure et Camerio. Moi, vous savez, l'altitude. Hein. Bon, ici, on a un dessin de Dany Desbois de la rue du Parc à Saint-Cyprien, de Dorchester. Et elle se sent bien. Attention, Dany, c'est peut-être un petit garçon, Dany. Ah, ouais? Ah oui, c'est peut-être un petit garçon, ça peut être une petite fille aussi. Ouais. Enfin, il ou elle se sent bien au soleil. Au revoir, amis. Au revoir, ta pageure. Au revoir, mes tout petits. Merci. Thank you.